Bonsoir à chacun. Bonsoir, bonsoir à chacun. Alors, bonsoir à tous, Shalom, fille Farjardo, j'arrive pas à me rappeler de ton prénom. Ça serait bien que tu mettes ton vrai prénom, comme ça je pourrais t'appeler par ton prénom sur ton profil. Salut Eric, Francine, Rodrigue. Je coupe le son ici, sinon ça va me perturber. Retour Sandy. Céline, Nathalie, Anaïs, Amy, Claire, Sébastien, Pasteur Sébastien, sois béni, Muriel, Claudia, Sylvain. Oh, Sylvain, il est connecté. Super. Mets-moi un petit mot, Sylvain. Mets-moi un petit mot, s'il te plaît. Anaïs, ouais, je t'ai déjà vu. Lorraine, Marie-France, sois béni. Véro, ce soir. Béatrice, Béa est avec nous ce soir. Alléluia. Fire. Nathalie, l'évêque, sois béni. Popule Francis qui regarde, eh bien, sois béni. J'espère que, en tout cas, vous serez béni ce soir. Najat, Shalom. On a Lou aussi qui se connecte avec nous. Tranquillement, on va prendre un temps de louange, d'adoration. J'ai un message de fire ce soir. J'espère que vous aimez le feu, hein, sinon ça va être... Non, vous allez aimer. Vous allez aimer, parce que ce serait la parole de Dieu et vous aimez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on va prendre vraiment un temps de louange prophétique, un temps de louange, d'adoration. Et mettre vraiment notre cœur devant le Seigneur. Amen. Bienvenue à tous sur YouTube, sur Facebook. J'étais obligé de changer de guitare. Ma guitare a cassé hier une corde. Je change les cordes. Et ça ira bien avec celle-là. Ah, j'ai un petit problème de pile qui vient de se greffer dessus. Thank you.
Les cordes sont vieilles, 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 vieilles. C'est des vieilles mémés. Oh là là! Ils sont pas très très justes, mais on va y aller. Prions, mon frère, la Bible dit, celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Waouh! L'Esprit de Dieu t'inspire des prières glorieuses. Santo. Seigneur, je partage ton rêve. Ton rêve, que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Aujourd'hui, ta parole.
à tous les peuples sur internet, dans les ondes, dans les rues, dans les foyers, les églises en tout lieu, on peut prêcher ta parole est annoncée par des millions qui t'adorent, tu glorifies, car tu les as rencontrés, tu les as touchés par ton amour. Oh, Jésus, je partage ton rêve, un rêve de gloire, un rêve, rêve en moi, Yeshua, viens rêver en moi, glorifie-toi, glorifie le Père en moi, Seigneur. Que tu sois toujours glorifié. À toi la gloire. Que tu sois toujours glorifié. Toujours à toi la gloire. Que tu sois toujours glorifié. Que tu sois toujours glorifié, ce que tu as fait pour moi. Jésus, merci pour la croix, merci pour ton sang que tu as versé. À Gethsémané, tu as prié pour moi. Tu as prié, Seigneur, tu as versé ton sang. Ça ira, ils t'ont brûlé. Pour mon mari, ils t'ont fêté. Tu es mon héros, Jésus, tu es mon héros. Oh mon Dieu, tu es mon héros, car le Père, tu es mon héros. Saint-Esprit, mon cœur t'adore, Jésus, Saint-Esprit, mon Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Dieu vivant, tu es des nations. Jésus-Christ, mon cœur t'adore, Yeshua, la santo. Santo, tu es saint, saint notre Dieu. Tu es saint, saint et glorieux. Tu es saint, saint notre Dieu. Tu es saint. Les quatre êtres vivants autour du trône, de toute éternité chantent. Saint, 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 le Seigneur trois fois saint. Les 24 vieillards prosternés devant le trône. Jette la couronne et adore celui qui est assis sur le trône. Et rends gloire au Dieu tout-puissant, au Père éternel et à l'agneau qui fut immolé pour nous. Tu es ressuscité. Ressuscité, tu es vivant, ressuscité, l'Église chante. Ressuscité, tu as vaincu la mort. Ressuscité, le tombeau est vidé. Ressuscité, oh Yeshua. La Bible dit, Jésus a dit, c'est écrit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. Si je ne me trompe pas, c'est le verset 18 ou le verset 19. Il dit, là où vous êtes assemblés, deux ou trois en mon nom,
Je suis au milieu de vous. Est-ce que vous pouvez croire cette parole avec moi ce soir? La croire de tout votre cœur. Que Jésus est vraiment au milieu de nous. Jésus est intéressé par cette assemblée, ce rassemblement, ce temps de ministère du 19-20. On va pas seulement parler de lui, on va prêcher sous son nom, on va prêcher à propos de lui, de son cœur, de sa personne. Nous allons annoncer sa parole. Alors forcément, il est intéressé de ce qui se passe ici, ce qui se passe dans ta maison. Il est intéressé de ce qui se passe dans ton cœur. Il est intéressé de ce qui se passe entre nous. Et il est au milieu de nous, authentiquement au milieu de nous. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, crois seulement, il est au milieu de nous. Il est vraiment vivant. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est Seigneur. Alléluia. Mal à l'intérieur, chante-le. Je t'adore. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Allez jusqu'au bout de ta force. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Est-ce que vous pouvez ressentir le feu du Saint-Esprit ce soir, le feu de l'Esprit, alléluia, alors que la température a baissé en région parisienne et qu'on a été obligé de rallumer notre petite poêle. Alors, gloire à Dieu, que le feu du Saint-Esprit aussi est en train d'augmenter dans nos vies, dans nos maisons, afin que le Saint-Esprit puisse glorifier Jésus. Amen. Une vie chrétienne qui glorifie Jésus, c'est une vie passionnante, frères et sœurs. Et je voudrais vous dire que si vous vous sentez vraiment comme un sac vide, si vous avez l'impression que votre vie chrétienne elle est flanquée par terre, vous avez tout raté, tout ça, etc., j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour Jésus, il n'y a rien de raté. Et peut-être vous pensez que vous avez déçu Dieu. Et vous ne pouvez pas décevoir Dieu. C'est impossible de décevoir Dieu. Dieu, on ne peut pas le décevoir. Dieu, il sait exactement qui on est, ce dont on est capable. Et il connaît nos limites. Il sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés. Et c'est sa grâce. C'est sa grâce qui fait qu'on devient des serviteurs, des servantes de Dieu. Et plus vous allez avoir une compréhension de la grâce de Dieu, et plus vous allez vivre une vie vraiment excitante avec le Seigneur. Amen. Et j'aimerais partager avec vous vraiment un message puissant ce soir qui va, waouh, vraiment ça va vous bénir, frères et sœurs. Là, on met du kérosène, on allume la fusée, là, on décolle, là, il faut sortir de l'attraction terrestre.
On va changer de fréquence, on va entrer dans la dimension de la gloire. On rentre dans... Il est vraiment vivant, il est ressuscité, il est réel. C'est vrai tout ça, c'est pas une légende. Waouh, gloire au Seigneur. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle onction. Hallelujah. Oui, c'est vrai, Nathalie, on peut attrister le Saint-Esprit. Puis quand le Saint-Esprit est attristé, il nous le dit, il nous communique. Et puis il nous présente à Jésus pour que le sang de Jésus nous lave. Et Dieu, il n'est pas juste prêt à nous pardonner. Il est passionné pour nous pardonner. Et puis nous faire partir sur un nouveau départ. Et tu peux avoir 1 million de nouveaux départs avec Dieu. Et attrister le Saint-Esprit, bien sûr, nous l'attristons tous les jours. Il y a quelque chose qui peut arriver qui peut attrister le Saint-Esprit, tellement que le Saint-Esprit est saint. Mais Dieu t'aime tellement. Et je crois que vraiment, honnêtement, son amour ne dépend pas de nos performances. Son amour dépend de qui il est. Il nous aime, point à la ligne. Il nous a aimé le premier. Il n'a pas attendu qu'on prouve quelque chose pour nous aimer. Et j'aimerais vraiment que ce message soit basé ce soir sur cette réalité qu'il nous aime. Avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Vous savez, quand Jésus était baptisé, le Père a dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, Jésus n'avait encore rien fait. Il n'avait pas opéré de miracle, il n'avait pas donné sa vie sur une croix, mais il était aimé du Père. Et c'est cet amour-là qui anime cette prédication ce soir. Mais c'est une prédication qui va vous défier aussi à être des personnes qui vraiment portent du fruit. Et je veux que vous le sachiez, je veux que vous compreniez cela. Porter du fruit dans le royaume de Dieu, c'est un miracle. C'est juste un miracle, et ce n'est que par miracle. Si ce n'est pas un miracle dans ta vie, si tu ne vis pas le miracle dans ta vie, aïe, 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 ça veut dire que tu es en train de faire de la religion, et je veux te laisser entendre cette bonne nouvelle que le Seigneur va, eh bien, suppléer à toute ta faiblesse. Et c'est quand je suis faible que je suis fort, dit l'apôtre. Waouh! Alors ça, c'était juste l'introduction, et j'aimerais juste quand même accueillir tous les frères et sœurs, les leaders, les pasteurs de la maison de prière pour toutes les nations qui se connectent sur YouTube, qui se connectent sur Facebook. Là, je les vois ici, Facebook. Ici, je vois YouTube. Alors, j'ai 43 visionnages, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui vont se connecter. Et maintenant, on touche des centaines de personnes tous les soirs. Et on sait que le Saint-Esprit est en train vraiment de faire une œuvre. Je voudrais peut-être saluer quand même des personnes, si j'arrive à reconnaître des prénoms. On a Véronique Bérard qui s'est connectée. Je te bénis au nom du Seigneur, Sylvie. Fabrice, on a Jean-Yves qui s'est connecté, François, Marshall Eden, Marcelino, Castellano. Je ne sais pas si c'est la même personne. Des fois, on met des Sabrina, Sabra, Nuno, Dabi, Ascension, Munoz, allez, ça c'est Béziers. Voilà, soyez tous bénis. Alors ouais, Fabrice, il est en Haute-Savoie, vers Annecy. Allez, gloire à Dieu. On va démarrer tout de suite l'enseignement. Et on va commencer tout de suite dans la parole du Seigneur. Allez, let's go. Fait chaud avec mon poil. La température a augmenté. Je suis obligé de fermer la porte. Du coup, je suis confiné, doublement confiné. Et la température est en train de monter dans cette pièce. Et ça va augmenter dans la vôtre aussi. Alléluia! Allez, Apocalypse, non pas Apocalypse, Acte, chapitre 19, verset 1 à 9. C'est parti, let's go, on y va. On va lire tout ce passage et puis on va aller dans les profondeurs du message du disciple. Enfin, il y a d'autres profondeurs encore. Mais déjà, on va toucher certains points qui vont vraiment, peut-être pour certains, vous bouleverser dans votre christianisme. En tout cas, vous défier, et je le crois, vraiment. Allez, on démarre. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc Apollos était un apôtre qui travaillait avec l'apôtre Paul, ils étaient ensemble, ils travaillaient ensemble, et puis ils vont se séparer. Apollos va rester à Corinthe et Paul, va descendre à Éphèse. Après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette ville, mais on ne va pas parler de ça. On va parler de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé dans le ministère de Paul, en particulier concernant le discipolat. Et il a rencontré quelques disciples, vous voyez, pas quelques croyants, mais quelques disciples, c'est ce que dit la Bible. Alors, quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?»
Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. On va prier sur ce passage. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour l'onction apostolique, prophétique, d'impact, d'évangélisation. Merci aussi pour le soin du berger, Seigneur. Ton cœur d'amour qui est là, Seigneur. Merci aussi pour l'onction d'enseignant, Seigneur, pour enseigner ta parole. Et je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance pour tous mes frères et sœurs qui sont en train de se connecter sur ce message ce soir. Vraiment que la bénédiction de Dieu soit répandue dans leur cœur. Père, au nom de Jésus, nous lions les puissances de tes ailes, les vieux démons là, nous les paralysons maintenant avec le sang de Jésus. Et nous disons, Seigneur, tu ne vas pas mettre un vin nouveau dans des outres anciennes, mais tu mets ton vin nouveau dans des outres neuves et tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur, touche-nous avec ta parole, touche-nous avec ta vision ce soir et fais-nous du bien, Seigneur. Oh Seigneur, tu ne vas pas nous caresser dans le sens du poil, mais tu vas nous faire du bien. Tu vas enlever des cailloux, Seigneur. Tu vas enlever des épines. Tu vas répondre à des questions, à des besoins profonds, Seigneur, que toi-même as créés en nous pour les combler. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Yes, fire, ça y est, la fête commence. Alléluia. Wouhou, gloire à Dieu. Alors, juste quelques points sur... Effectivement, sur ce passage, on voit que Paul descend à Éphèse et puis il a une idée en tête. En fait, il cherche à faire des disciples. Pas seulement évangéliser, pas seulement dire « Jésus est le Seigneur ». Non, il cherche des disciples, c'est clair et net. Et il va rencontrer quelques disciples. Des disciples, ils viennent d'où ces disciples? D'où viennent les disciples qu'il rencontre? Ces disciples, ils viennent du ministère de Jean le Baptiste. Alors peut-être ils sont les disciples de Jean le Baptiste. Parce qu'au moment où Jésus va être baptisé, certains des disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus, mais pas tous. D'autres vont rester dans la lignée de Jean le Baptiste. Au moment où Jean-Baptiste va se faire couper la tête, mais ils vont être un peu comme orphelins, mais ils vont continuer le discipola de Jean le Baptiste. Mais ce sont des disciples. Vous voyez qu'à l'époque où l'évangile était prêché, on ne faisait pas des croyants, mais on faisait des disciples. Et si vous voulez revenir à l'original, si vous voulez retourner à la source même de la foi chrétienne, cette foi qu'on célèbre traditionnellement chaque année aux grandes fêtes de Pâques, de Pentecôte, etc. S'il vous plaît, si vous retournez aux Écritures, vous allez vous apercevoir que l'ADN de l'Évangile est forcément un ADN de discipola. L'Évangile est un Évangile de discipola. Et on voit donc que eh bien, ces hommes sont déjà des disciples, ils ont une mentalité de disciples et ils sont alignés avec leur leader et le ministère prophétique, apostolique, prophétique, parce qu'effectivement, Jean le Baptiste était comme un apôtre, il était envoyé, il était la voix qui crie dans le désert, il était envoyé, et puis il était prophète, il était un ministère prophétique. Un coup, j'enseignerai sur les apôtres et prophètes, vous verrez qu'apôtre et prophète, il y a une corrélation, une connexion indissociable. Un prophète tout seul dans son coin où il n'y a pas l'apostolat, ça construit pas, ça bâtit pas, des fois même ça provoque des problèmes. Mais un apôtre où il n'y a pas le ministère prophétique, où il n'y a pas ce feu prophétique, cette vision boum, qui brûle là et qui amène le feu dans les cœurs, ah, ça devient un truc. C'est apôtre et prophète. Bon, je ferme la parenthèse, je crois que j'ai parlé à quelqu'un. Cette onction donc, qui est sur Paul, c'est une onction apostolique, prophétique. Il est rempli du Saint-Esprit, il déborde, il bouillonne, le gars, il n'est pas, c'est pas un tiède là.
C'est un soldat, le gars, il est prêt à mourir pour l'évangile. Attends, c'est quand même pris un gros coup de boule sur le chemin de Damas. Non, le gars, il s'est fait désosser en persécutant les chrétiens. Il a pris une grosse décharge électrique. Comme je dis, il a pris un coup de boule sur le chemin de Damas parce qu'il a rencontré la tête du corps. Pac ! Qui es-tu, Seigneur ? Ben, je suis Jésus, celui que tu persécutes, c'est moi, voilà. Bon, on règle les problèmes. Et puis, Paulo, là, enfin, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, va se convertir de façon dramatique et devenir un soldat de Jésus. Donc, il arrive à Éphèse, il est rempli de la pensée de l'Esprit, il est rempli de la pensée de Christ. Parce que quand tu prends un coup de boule, tu as une rencontre avec la tête du corps, on t'imprime la pensée de cette tête. Hein. Il y a un transfert, vous savez qu'il y a un transfert d'esprit, faites gaffe au transfert d'esprit. Recevez le bon esprit, Paul à un moment donné dit, vous supportez bien de recevoir un autre esprit que celui que vous aviez reçu, en parlant de faux apôtres qui apportaient un évangile mélangé du légalisme, tout ça, etc., et qui voulaient détourner ses enfants et ses disciples et, pour les emporter dans des fausses doctrines, tout ça, vous retrouvez ça dans les textes. Alors, l'apôtre donc est rempli, impacté de puissance. C'est-à-dire, c'est marrant, cette histoire de tête là qui me vient, c'est Goliath et David. David, il arrive, il voit Goliath et puis il prend une pierre. Et au moment où la pierre prend son envol, la pierre, elle vit un miracle créatif et elle devient le rocher des siècles. Et en fait, Goliath aussi s'est pris un coup de boule. Il a rencontré la tête aussi. Parce que la tête, c'est Dieu lui-même en fait. Et ce rocher des siècles, le Christ, lui a explosé le crâne. Parce que de toute manière, il n'allait pas vouloir penser un petit peu comme Israël et comme le roi David, qui lui venait au nom de l'Éternel. Et l'autre en face, il blasphémait le nom de l'Éternel. Donc le blasphémateur a une rencontre personnelle. Le diable a une rencontre personnelle avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, cette puissance, cette onction dont a été revêtue l'Église. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? Ça vient de ce que nous avons été remplis par le Saint-Esprit, par donc la pensée de l'Esprit, donc la vision de l'Esprit, donc la vision de Jésus. Et nous avons besoin d'être remplis de la vision de Jésus. Regarde, Paul était donc en train, non pas de chercher des croyants, mais des disciples. Et la première chose qu'il va leur poser comme question, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » C'est-à-dire que c'est très important que vous ayez vécu une rencontre. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les cultes, tout ça, etc. Ils sont même assidus au culte. Hein. C'est des gens qui sont, on dirait, des bons chrétiens. Mais ils n'ont jamais pris, ils n'ont jamais eu la rencontre. Il y a besoin de vivre une rencontre avec le Seigneur. Moi, quand j'ai commencé à lire « Jeune que reconverti », je voyais des témoignages de gens qui avaient vu le Seigneur, qui avaient eu une rencontre avec le Saint-Esprit, qui avaient été, waouh, tellement secoué par la puissance de Dieu. Mais je dis, je veux au moins ça, je ne veux pas en dessous, je veux au moins ça, et même je veux plus, Seigneur. Vous savez quoi ? Dieu m'a exaucé de nombreuses fois, et il le fera pour toi aussi, je t'encourage. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Tout de suite, le baptême vient sur le tapis. Donc aujourd'hui, on a des mouvements qui mettent le baptême un peu sur le côté, enfin, c'est presque secondaire, il y a même des mouvements, je tirerai les noms, je ne veux humilier personne, il y a des mouvements qui sont devenus, il y a un vieux mouvement d'évangélisation qui date du siècle dernier, il ne faut même pas de baptême, il n'y a plus de baptême du tout, on ne baptise pas les gens. Hein. Non, Seigneur, le baptême est tellement important pour Jésus, voici les... Aller proclamer la bonne nouvelle à toute la création, ceux qui seront baptisés seront sauvés. Il faut baptiser, il faut préparer les gens au baptême, il faut les amener dans le baptême en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, pareil, hein, c'est là cette bagarre au nom de Jésus, au nom du Père, du Saint-Esprit, ça c'est ridicule, ça c'est des gens qui ne connaissent pas bien leur Bible, qui s'énervent avec ce genre de truc. Vous énervez pas avec ça, c'est... De toute manière, au nom du Seigneur Jésus, c'est ce nom-là qui nous sauve. Lorsque Paul leur eut imposé les mains,
Alléluia. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Vous voyez, il y a un déversement. La multiplication vient au travers du déversement. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je veux que tu deviennes un disciple. Je veux que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et si moi je le veux, mais ce n'est pas une idée de Rémi Bell, ça. C'est même pas une idée de l'apôtre Paul. C'est une idée de Jésus, le Fils de Dieu. Il a dit que de notre sein couleront des fleuves d'eau vive, parlait du Saint-Esprit. Et les fleuves, ils sont faits pour abreuver les nations. Gloire à Dieu. Et donc, ces nations, ce n'est pas juste des pays comme ça, des structures de pays. Ce sont des âmes, ce sont des gens qui viennent boire au torrent. J'aimerais ce soir que tu puisses vraiment boire au torrent du Saint-Esprit pendant ce 19-20, que tu sois rassasié, que tu sois vraiment, que tu reçoives vraiment, que vraiment tu puisses boire à la source de l'Esprit-Saint qui est en train de m'inspirer cet enseignement, cette prédication, parce que Dieu veut vraiment te bénir. Donc, les gars, tu vois, c'est comme ils ont la mentalité de disciples, ils n'ont pas fait « Ouais, non, non, nous, ces gens, machin, là. » Non, non, ils sont enseignables. C'est des gens simples, tu vois, des gens de cœur qui aiment Dieu, qui sont en train de chercher à s'approcher de Dieu. Ils ont entendu le message de repentance de Jean le Baptiste, puis ils avaient entendu dire que, ah oui, Jean Baptiste, il a annoncé un autre qui venait après lui, etc. Oui, il paraît que ouais, ce jour-là, il y a une colombe qui est venue sur lui, le ciel s'est ouvert, il y en a qui ont entendu une voix. Tu vois, ils avaient entendu ces affaires-là. Et là, tout d'un coup, ils ont un apôtre de Jésus qui est là, qui est en train de leur prêcher l'évangile, en disant, mais non, c'est recevez le Saint-Esprit, ce fameux Saint-Esprit dont vous avez entendu parler au Jourdain, là, quand Jean le Baptiste était en train de baptiser. Il est là pour vous aussi, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ah, ok, super. Les mecs, ça chauffe là, ils en veulent quoi, tu vois, c'est des bons ça. Ça c'est bon ça, si t'as faim et soif de Dieu, c'est bon, c'est en bonne santé. Alors, donc il leur impose les mains, puis oh, ils sont mis à prier en langue, ils ont été saisis par l'esprit, puis ils sont mis à prophétiser, et puis ils ont commencé à être saisis par l'onction qui était dans la vie de cet homme. Et il y a un transfert de gloire, d'onction qui vient de la tête, l'huile fraîche descend sur la tête d'Aaron, ça coule sur sa barbe, ça se répand et tout le corps est rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a un seul baptême, une seule foi, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Père, un seul Seigneur au-dessus de tous et en tous recevez l'évangile, le véritable évangile qui n'est pas une religion. Mais c'est la relation intime, c'est la vie abondante, c'est l'onction, c'est le fire, hallelujah. Non, je suis trop passionné, ça bouillonne en moi, je ne suis pas en train de le fabriquer, je vous le dis, Seigneur, donne-moi de donner ça à quelqu'un, quoi. C'est ouh, hallelujah. Oh Seigneur, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue, etc. Ils étaient environ 12 hommes, c'est quand même bizarre hein, quand on nous dit environ 12 hommes. C'est... Pourquoi tu t'es cassé la tête, monsieur l'écrivain, pour nous dire qu'ils étaient environ 12 ? Environ 12, hein ? Ah, vous vous rappelez les mecs ? Hein ? 12 quoi ? 12 de quoi ? Les 12 de Jésus ! C'est l'ADN de Jésus, c'est le corps du Christ qui est fabriqué sur ces fondements des 12. Israël est fondé sur les 12. La Jérusalem céleste est fondée sur les 12. Allez voir, je vais vous emmener dans la parole de Dieu ce soir et vous allez déguster un bon repas. C'est du caviar ce soir. Caviar à l'entrée, alléluia. Il me paraît que le caviar, c'est pas très bon, mais bon, ça fait classe de manger du caviar. En tout cas, nous, on ne cherche pas à faire classe. Ce qu'on veut, c'est le ciel. On veut Jésus. On veut se rapprocher encore plus de toi, Seigneur. On veut poser nos têtes sur ta poitrine et entendre ton cœur battre et avoir ta vision. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur est là, liberté. Normalement, il y a de la liberté pour prêcher, pour annoncer la parole. Il rentre dans la synagogue et il parlait. Parce que dans les synagogues, eh ben, on parlait de toute manière. Ce n'était pas comme dans certains endroits où tu te tais, hein. Bon, dehors. Non, là, il y avait une liberté pour s'exprimer. Et donc, il va chercher à les persuader. Oh, il fait du prosélytisme. Oh, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien du prosélytisme. Hein. Il cherche à les persuader de se convertir, dis donc. Hein, ils cherchent en s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Eh bien, je vais vous dire une chose, si vous ne cherchez pas à persuader des personnes autour de vous de donner leur vie à Jésus, je me demande à quoi vous occupez votre temps, en fin de compte. Et ne dis pas que tu n'es pas capable, même si tu es dans des problèmes, tu peux
mettre ta vie au service du Seigneur. Dès que tu vas mettre ta vie au service du Seigneur, il va se produire un miracle dans ta vie. Je te dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Puis toutes choses vous seront données par-dessus. C'est souvent ce que je dis aux gens qui sont dans des galères. Je dis, mets le royaume de Dieu en premier. Comment ça sert le Seigneur? Sers le Seigneur, ne sers pas tes problèmes. Ne reste pas connecté avec tes problèmes. Connecte-toi avec le royaume. Et sers bon Dieu. Et tu verras que la grâce de Dieu va faire craquer les choses. Parce que c'est, pour finir, c'est l'ennemi qui essaie de ralentir ta vie, de la bloquer, de la tenir captive. Mais je vais te dire une chose. Au fond de ta prison, tu peux commencer à louer le Seigneur. Souviens-toi de Paul et Barnabas. Ils étaient en prison, ils étaient enchaînés. Et ils se sont mis à chanter des louanges au Seigneur dans la prison. Et la gloire de Dieu a rempli la prison. La prison a tremblé. Les portes des prisons se sont ouvertes. Leurs chaînes sont tombées. Et là, ils se sont échappés. Ils ont été libérés de façon surnaturelle. Au cœur de ton problème, loue le Seigneur. Ça, c'est un exercice. Et même tu peux louer Dieu pour tes problèmes. Ah, ça, alors là, le diable, il est coincé. Il a la bouche. Commence à louer Dieu pour tes problèmes et tu vas voir. Il y a une grâce qui va venir qui va faire craquer la circonstance. Parce que la circonstance n'est pas la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est une personne. Et quand cette personne arrive, il est capable de marcher sur l'eau, de changer l'eau en vin, de guérir les aveugles, mais surtout, et même si tu martiras au ciel, alléluia, gloire au Seigneur. Oh, il y a vraiment de la vie dans la parole de Dieu. Il y a plus qu'un espoir, plus qu'une espérance, il y a la foi. Oh, je n'avais pas prévu de dire tous ces trucs-là, mais je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Il s'est pas trop pris la tête à discuter sur ce qui concernait, sur la politique, le machin, etc. Non, il avait une sorte de concentration dans la vision. Il concentrait sa force, son énergie à gagner des âmes, pour les consolider, pour en faire des disciples, pour pouvoir les envoyer et se multiplier. Il était en mission, il était dans son mandat. Il ne s'est pas éparpillé dans plein de choses. Non, il était dans son apostolat. Et il savait qu'il devait faire des disciples qui font des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont l'imiter. D'ailleurs, il dira, il écrira à plusieurs d'entre eux, « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. » Et effectivement, Jésus était concentré sur sa mission jusqu'à sa mort sur la croix et la sortie du tombeau et la suite ensuite. Ensuite, Paul entra donc dans la synagogue, il essaie de persuader, mais quelques-uns restent endurcis et incrédules et décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Alors, là, ils se barrent. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de discuter, de discutailler sur Facebook et machin, et d'essayer de justifier des choses, etc. J'ai essayé ce truc-là, ça ne fonctionne pas, c'est encore pire après. On prend nos disciples, on les prend à part, et puis on les forme, on leur enseigne la parole. Et c'est ce qu'il va faire, il va prendre ses disciples, et puis là, il va séparer les disciples. Oh, 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 une secte maintenant. Oh, oh, j'ai peur d'une secte. Tu vois, comment les gens peuvent être manipulés dans leur esprit, au travers des médias, comment on contrôle les gens, on les emmène à avoir peur de leurs médicaments, peur de la vérité, peur de la liberté, peur de la grâce, peur de l'amour de Dieu, peur d'être formé, peur de devenir un disciple. Beaucoup de chrétiens ont très peur du message du discipolat. D'ailleurs, je suis persuadé que mon titre discipolat a fait fuir un certain nombre de personnes ce soir. Je dis, oh, il va parler de discipolat, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ils vont aller écouter d'autres prédicateurs qui vont leur donner un peu de confiture. Enfin, je ne veux pas critiquer la prédication des autres, elle est peut-être très, très, très bien. Ce n'est pas mon rôle de toute manière. J'en sais rien. J'espère qu'ils vont bien et qu'ils sont bénis. Mais je sais que le message du discipolat, ça pique un peu et ça fait fuir les gens. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont des arguments. Il y a des choses en eux qui... Non, moi, c'est Jésus, j'ai oublié qu'il y a Jésus. Il y a une dimension là. Ah, il y a un truc, tu sais, en nous, là, les franchouillards, là, la bande de rebelles, là, les Gaulois, là, qui réagissent systématiquement. Tu vois, le mot discipline, ce n'est pas un truc qu'on aime beaucoup. Pourtant, si on le met dans le cadre du sport, si tu veux réussir, il faut que tu sois discipliné. C'est une discipline. La course à pied est une discipline. Le football à haut niveau, il y a des millions de gens qui jouent au foot le dimanche. Enfin, en ce moment, avec le confinement, il y en a moins. Mais il y a des millions de gens, des jeunes, tout ça, qui sont sur les stades le dimanche. Et ils sont là et ils se disciplinent. Carton rouge, dégage. Et voilà. Et tu vois,
Et c'est pas une secte, hein. C'est juste la discipline, le discipulat. Et si tu veux devenir arriver à un bon niveau en tant que athlète, eh ben tu vas accepter un coach qui va, tu vois, qui va te reprendre, qui va te défier, qui va t'aimer, t'encourager quand tu baisses ses bras. Il va allez, non, let's go, come on, tu souviens-toi, t'es arrivé à ça, tu vas arriver à ça, etc. Et on a besoin de s'encourager les uns les autres. Vous voyez, le disciple là brise littéralement la solitude. Et il y aurait encore beaucoup d'exemples à donner là-dessus, mais j'arrêterai sur ce point. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a une réforme qui est en train de venir dans l'Église, où le Saint-Esprit est en train de parler de disciples là. J'étais il y a 4-5 ans dans une réunion de prophètes. C'était quelques prophètes, on s'est rassemblés juste pour entendre la voix de l'Esprit pour certains sujets. Et parmi ces prophètes, il y avait donc un pasteur de la région de Normandie qui sortait d'une grande rencontre pastorale, vraiment le truc, hein, un truc assez gros. Il y avait des centaines de pasteurs, je crois, un truc européen, je ne sais pas. Et tous, ils étaient arrivés, c'était des cheveux blancs, et tous, ils étaient arrivés à cette conclusion que, mince, ils ont fait du ministère pendant des années, ils n'ont fait aucun disciple. C'est comme si le Saint-Esprit était en train d'enlever un voile. Tu dis, waouh, où sont nos disciples? Jésus a dit de faire des disciples. On se réveille. Il n'a pas dit d'aller à la messe. Il n'a pas dit d'aller à la messe évangélique, catholique ou machin, je ne sais pas quoi. Il a dit de faire des disciples. Tu sais, ça va piquer un petit peu ce que je vous dis. Mais il n'a pas dit que tu vas aller t'asseoir dans un coin puis on va te garder comme une oie. Il a dit que tu vas te lever et tu vas faire des disciples qui vont faire des disciples. Je veux vous enseigner quelque chose qui va vraiment faire exploser des jougs dans votre vie et faire de vous une personne qui se réalise en Christ. J'aimerais partager ça avec vous. Donc, d'où vient cette idée de disciples-là? D'où vient cette idée de ces disciples de Jean? Eh bien, ça vient du Jourdain. Allons au Jourdain. Retournons au Jourdain. Retournons à l'endroit où Jésus a été baptisé au Jourdain. Pourquoi au Jourdain? Pourquoi Jean le Baptiste n'a pas prêché la repentance au temple? Pourquoi il n'a pas été dans les rues de Jérusalem? Il s'est retiré dans le désert de Judée et il est allé au Jourdain. Ben parce que le Jourdain, c'est symbolique pour Israël. C'est l'endroit où on change d'époque. C'est l'endroit où on change de saison. D'ailleurs, nous avons dans notre petit dialecte évangélique, tu passes un Jourdain, tu passes un Jourdain. Hein, quand tu passes un Jourdain, ça veut dire que tu changes de saison. Oh, ça fait mal de changer de saison. Puis, souvent, ça vient d'un désert. Quand tu t'es tapé dans un désert et le Seigneur dit maintenant, let's go, tu prends ton Canaan, tu vois. Et souvenez-vous que la première tentative de prise de Canaan, eh bien, Moïse avait envoyé 12 espions. Et sur les 12, il y en a 2 qui étaient positifs, qui avaient la vision, et les autres n'avaient pas la vision. Et à cause des autres, qui étaient un plus grand nombre, eh ben voilà, bravo la démocratie, hein, là c'était pas bien ce coup-là par contre. Ils se sont retrouvés dans le désert pendant 40 ans, et alors ça a été la guerre, ils ont tourné en rond, jusqu'à ce que la vieille génération qui avait péché d'incrédulité, qui s'était détournée de la vision du maître, la vision de Jésus en fait, la vision de Dieu, laisse la place à une nouvelle génération qui va se tenir derrière ces prémices, Josué et Caleb, qui eux avaient reçu fondamentalement cette vision des 12 qui allaient à Canaan pour rentrer dans la terre promise. Et donc Dieu va parler à Josué et dit maintenant vous passez. Et donc c'est surnaturel, on rentre dans le surnaturel, changez de fréquence maintenant. Rendre ça surnaturel avec moi, parce que la vision de Jésus est surnaturelle. Oh là là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'espère que je vais tout pouvoir vous dire ce soir. Quand ils sont arrivés au Jourdain, les Lévites portaient donc l'Arche de l'Alliance. Au moment où ils sont arrivés au bord du Jourdain tumultueux, ils ont touché de leurs pieds l'eau, et l'eau s'est retroussée. Elle a arrêté de couler, elle s'est retroussée, comme si des mains invisibles retenaient l'eau. Et l'eau a remonté jusqu'à une ville qui s'appelle Adam, la ville d'Adam. C'est-à-dire que ça a remonté jusqu'au péché d'Adam. Et là, de terre sec, ils ont passé le Jourdain. Et Dieu va dire à Josué, vous allez laisser 12 pierres dans le Jourdain, et tu prends 12 pierres du Jourdain, tu passes et vous passez le Jourdain. Donc ils ont pris 12 pierres, ils les ont laissés au fond du Jourdain, et le texte dit que jusqu'à ce jour, ces pierres sont dans le Jourdain, etc. Et ils ont passé le Jourdain, et là, ils ont fait un autel de 12 pierres.
Retenez bien ça. Et puis, il y a eu la circoncision. Et après, il y a eu la prise de Jéricho. Je ne rentrerai pas dans Jéricho, mais sachez une chose, c'est que si l'Éternel a demandé, a ordonné, il n'a pas demandé, il a dit « Auriez-vous l'amabilité ?» Non, c'était un ordre, c'était la vision. Ramène-moi 12 pierres et mets-les ensemble et forme un autel sur lequel je vais faire descendre ma gloire. Et que cet autel soit un souvenir pour Israël. Regardez, c'est dans les textes, c'est Josué 4, vous pouvez étudier tout ça après par vous-même. Et puis, des siècles après, Jean-Baptiste se tient dans ce Jourdain. Le Jourdain n'a pas reculé. Il n'y a pas eu ce miracle de l'eau qui remonte à Adam. Mais il est en train de prêcher à propos de celui qui va faire remonter couper le péché jusqu'à Adam. Alléluia. Il prêche à propos du Messie, il prêche à propos du Fils de Dieu. Et pas n'importe quel Messie, c'est pas le Messie des hindous, de chez quel... Non, c'est le Messie des Juifs. C'est là que ça se passe, c'est en Israël. Alléluia. Alléluia, c'est un peu hébraïque. Et donc, il est dans l'eau du Jourdain, en train de dire, maintenant, bande de vipères, repentez-vous, voici le Messie, il arrive. C'est quand tu mets ça dans notre époque, le mec dit, oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, allez, on vous accompagne. Allez, ne criez pas, ça va bien, pas de piqûre, hop, à l'hôpital. Le mec, il ne met plus le bouc et tout, c'est un truc de fou, quoi. Hein, heureusement que ça s'est passé il y a 2000 ans, je ne suis pas certain que ça se serait passé aujourd'hui. je me marre tout seul. Jésus, donc, se retrouve au Jourdain, et il va être baptisé au Jourdain. Il vient vers Jean le Baptiste, il doit rentrer dans son appel. Et toi aussi, tu dois rentrer dans ton appel. Il rentre dans son appel de fils de Dieu, il rentre dans son appel de Messie, il rentre dans son appel de pierre angulaire de ce nouvel édifice qu'on appelle le temple de l'Éternel, l'église de Jésus. Il rentre comme la pierre vivante qui va être cette pierre angulaire sur laquelle va être bâtie cette nation qui est appelée l'Église de Jésus. Oui, c'est une nation, c'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Pierre. Et là, on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle nation. Waouh, la nation israélo-messianique. Waouh, c'est vraiment bouillant là, ça chauffe à fond la caisse là. Là, la terre est en train de waouh, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu vivant s'est fait chair et vient maintenant, il passe son Jourdain. Il est venu passer son Jourdain. Et là, quand il va être baptisé, oh, je sens l'onction qui est en train de descendre sur moi, c'est vraiment fort. Au moment où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, il s'est produit un truc, vous savez. Jean-Baptiste, il a dit non, je ne vais pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Attends, ça n'a pas de sens. Et Jésus lui répond, non, il faut faire les choses justes. Toi, tu vas rentrer dans ton appel quand quelqu'un va poser sa main sur toi et te faire disparaître dans l'eau du Jourdain. T'en as besoin, t'as besoin de ça. Il y a beaucoup de gens, ils veulent servir Jésus. Oui, Jésus m'a dit, moi j'ai l'onction, tu vois. Mais il n'y a pas une main qui est venue pour te faire disparaître dans l'eau du Jourdain. Et Jean-Baptiste lui-même a dit, il faut que moi je disparaisse et que lui passe devant moi et que ça soit lui. C'est la vision de Jésus, c'est pas la tienne. C'est pas ton ministère, c'est le ministère de Jésus. C'est pas ton église, c'est l'église de Jésus. Oh, c'est pas à toi tout ça. Tu es la propriété privée de Jésus-Christ. Même toi, tu es la propriété privée de Jésus-Christ. Et quand il va disparaître dans l'eau du Jourdain, sur les effluves d'onction qui viennent sur moi, c'est vraiment fort. Il y a 12 pierres qui l'attendent symboliquement dans le Jourdain. Il va sortir du Jourdain. Les 12 pierres, il les a déjà sur son pectoral, spirituellement parlant. Ces 12 pierres, ce sont ces 12 apôtres, qui sont les fondements de l'Église. C'est le fondement de la vision. Les 12 et le fondement de la vision. Est-ce que vous me suivez? Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous étonner avec ce que je vais partager avec vous. J'espère qu'un maximum de gens vont entendre ce message et soient bénis avec. Et puis, le ciel s'est ouvert. Waouh, l'amour du Père est descendu sur ces 12 qui sont là dans le cœur de Jésus. Jésus a une vision, il sait qu'il va aller chercher ces 12. Il sait où ils sont, il les a vus dans l'esprit déjà. Oui, Jésus, il est intelligent, hein, c'est le Fils de Dieu. Ne dites à personne, surtout gardez ça pour vous. Et puis, après avoir été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, donc toute l'influence du Père, l'amour du Père, les motivations du ciel sont dans son cœur. De toute manière, c'est normal parce qu'il est sans péché. Il est le Fils du Dieu vivant, le Verbe qui s'est fait chair. C'est normal qu'il est en contact avec sa propre pensée. Il est
un, il est intègre. Le Père, le Fils, Saint-Esprit sont intègres. Donc ça fait un seul Dieu. Amen, amen. Il est un. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin d'entrer dans l'intégrité, d'être une personne intègre, pas un intégriste avec une épée qui veut couper la tête des gens, mais un intègre dans ta relation avec Dieu et avec ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu. Ça, c'est tout un autre dossier. Jésus va dans le désert. Là, il a une confrontation avec le diable. Et là, Satan va lui dire une parole incroyable et dire, c'est Pierre là. T'as qu'à dire qu'elle se change en pain, puis tu peux te nourrir. Et ça, le diable est en train de tenter Jésus à ce que les pierres, les 12 pierres que Dieu veut lui donner pour faire l'autel, pour que la gloire de Dieu puisse descendre, l'autorité du royaume, il lui dit, bah, fais-en du pain, puis nourris ton ventre. Et ça, c'est le faux discipolat. Le faux discipolat, c'est faire des disciples pour nourrir son ventre. Et je ne veux accuser personne, peut-être vous reconnaîtrez dans mes propos des catégories de prédicateurs qui sont là pour se nourrir dans le troupeau. Nous ne sommes pas là pour nous nourrir, transformer des pierres en pain pour nourrir notre ventre, mais nous sommes là pour transformer 5 pains et 2 poissons en 12 paniers. Ces 5 pains qui vont te rester au travers de la vision, il va les multiplier. Même si tu n'as que 5 disciples, tu dis c'est la grâce de Dieu, ça va se multiplier et il a fait 12 paniers pleins. Souvenez-vous de la multiplication. Ça, c'est vraiment la vision, c'est la multiplication. Et donc, il va sortir du désert revêtu de puissance et là, il va chercher ses 12. Toi, viens suis-moi. Et il rassemble ses 12 et il a fait un autel. Et sur cet autel, il va donner sa vie. Jésus a donné sa vie sur l'autel des 12. Et là, à la Sainte Cène, il va prendre le pain, le vin, il va prendre la coupe, en hébreu, c'est « J'ai mis ma vie dans mes mains pour vous. J'ai mis ma vie dans mes mains pour vous. Dans cette coupe, il y a ma vie. Dans ce sang, dans ce vin, c'est mon sang. C'est mon sang versé pour la multitude et pour vous, pour vos péchés. Je donne ma vie pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà le discipolat. Si tu veux faire des disciples, il va falloir que tu fasses comme Jésus, tu vas laver leurs pieds, tu vas laver les pieds de tes disciples. Tu vas confronter l'orgueil de Pierre. Non, tu ne me laveras pas les pieds. Bah, si je peux pas te laver les pieds, si je ne peux pas parler dans ta vie, si je ne peux pas te montrer le chemin de l'humilité, si tu ne peux pas devenir un imitateur de qui je suis en Christ, tu ne peux pas être mon disciple, tout simplement. Et tout d'un coup, il y a la mentalité du disciple qui vient te chercher. Et là, Jésus, après ses 12, et vous savez ce qui s'est passé, il y en a un qui l'a trahi, et puis les autres l'ont trahi par la chair, ils se sont endormis, ils l'ont laissé seul à Gethsémané, et là il a versé son premier versement du sang à Gethsémané, et il a commencé à donner sa vie pour nous. Amen. Quel roi de gloire, quel Seigneur. Et j'aimerais te dire que Jésus, quand il était à Gethsémané, il était en train de travailler à sa vision. Quand il était en marchant sur l'eau, qu'il est allé rejoindre ses disciples en pleine tempête, il était en train de travailler à sa vision. Quand il est sorti du désert, qu'il est allé chercher ses disciples, les fils de Zébédée étaient en train de travailler au filet de leur père, et il leur a dit, lâchez ce filet maintenant, et suivez-moi, et faites la vision. Fais la vision du maître de la moisson, du maître qui fait des pêches miraculeuses, ce Jésus-là. Il vient te chercher, il convertit ton cœur, il circoncit ton cœur. Il vient te chercher. Comme Élie qui est descendu avec le manteau, qui rayonnait de la gloire parce qu'il s'était caché quand Dieu s'est montré à lui, il lui a parlé, il lui a donné le nom d'Élisée comme un disciple. Et ce manteau représente Christ parce que tu ne peux pas comparer devant Dieu si tu pars revêtu de Christ. Et il descend de la montagne, il vient vers Élisée et il trouve Élisée en train de travailler dans les champs de son père. Avec 12 paires de bœufs en train de faire 12 sillons. Vous allez retrouver ce chiffre 12 partout dans toute la parole de Dieu. Dès que vous ouvrez vos yeux, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas un hasard qu'il y a 12 mois à l'année. J'aimerais vraiment vous enseigner à propos de la vision. Regardez, ça commence dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève, le chiffre de l'homme, nous savons que le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. On le sait par le dernier livre de la parole de Dieu, Apocalypse, le chiffre, c'est un chiffre d'homme, 666, chiffre de l'homme, et c'est le 6. Le 6 représente l'homme. Voyez comment Jésus a dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celle des hommes. Oh, le chiffre 6, là, il est puissant si on en fait quelque chose de correct. Je ne veux pas faire de la numérologie, ne vous inquiétez pas, restez avec moi. Si Adam a le chiffre 6, alors Ève aussi c'est le chiffre 6. Et si vous les mettez ensemble, ça fait le 12. Et vous voyez que Dieu n'a pas pris un Superman avec une cape sur une estrade et qui fait « Alléluia !» Et puis voilà, il a bâti son église avec ça. Non, il a commencé l'histoire d'humanité avec un homme et une femme, il les a mis ensemble, il les a bénis et il leur a donné une parole « Multipliez-vous ». La multiplication est la vision du Maître, la vision de Jésus. Et tant que Adam et Ève étaient un, donc ils faisaient 12, eh bien le gouvernement divin pouvait fonctionner avec ce couple. Mais il s'est produit un truc terrible. À un moment donné, ils n'étaient pas un. Ils étaient côte à côte, mais ils n'étaient pas un. Et parce qu'ils n'étaient pas un, mais qu'ils étaient côte à côte, il y en a un qui s'est déguisé dans la pensée du 6 et qui a commencé à mentir à Ève. Et tout d'un coup, on trouve 666. Et on passe du gouvernement divin à un gouvernement satanique, où on détruit le couple, on détruit la famille, on détruit les fondements du couple et de la famille comme étant les fondements du royaume de Dieu, la famille sacerdotale. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez faire un 12, eh bien vous mettez le 6 et vous mettez un 6 et au milieu vous mettez un plus. Et le plus, c'est une forme de croix. Et en fait, dans un couple, pour que le couple fonctionne bien, il faut la croix au milieu. S'il n'y a pas la croix, eh ben, ce couple va être côte à côte. Mais si nous mourons ensemble, pour le couple, si nous mourons l'un à l'égard, et c'est ce que produira l'amour, même chez les païens, de toute manière, tant que vous vous aimez, cet amour va vous crucifier l'un à l'égard de l'autre, jusqu'à ce que vous fassiez un, et vous allez grandir dans l'autorité, la puissance de cette parole de bénédiction, multipliez-vous, au nom de Jésus. Alléluia. C'est extraordinaire. Et j'aimerais maintenant vous rappeler que Jésus et l'Église sont un couple. Pierre compare le couple, l'homme et la femme, et Jésus et l'Église. Il dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et donc, ça fait déjà 44 minutes, et j'ai tellement de choses encore à vous dire. Et donc, si nous voulons véritablement être l'épouse de Christ, c'est-à-dire partager la pensée de l'Esprit de Christ, être un en Christ, frères et sœurs, alors il y a une affaire de 12, il y a une onction de 12. Pourquoi ? Parce que Jésus s'est fait homme. Alléluia ! Et il est venu chercher son épouse. Et ça fait 12, il a formé 12 disciples. Il y a vraiment des révélations prophétiques apostoliques dans ce que je suis en train de vous dire. Regardez, la femme couronnée de 12 étoiles dans Apocalypse au chapitre 12, verset 1. Allez, je crois que j'ai pris note de ce passage-là et on pourrait le lire ensemble. Peut-être, maybe, yes. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Vous savez que le soleil de justice, c'est Christ. Alléluia. C'est le soleil de justice. Amen. La lune sous ses pieds, symbole du mal dans le psaume 91. Mais vous pouvez aussi trouver une image de l'épouse qui reflète le soleil. Le soleil, la lune brille à cause du soleil. Et le soleil et la lune sont le papa et la maman dans la vision de Joseph. Vous vous rappelez de ça? D'ailleurs, Joseph était un grand rêveur et un visionnaire. Et d'ailleurs, c'était tellement un grand rêveur et un visionnaire qu'il en était un prophète et un homme de puissance et d'autorité, malgré son orgueil et la façon dont il s'est comporté avec ses frères. Même son péché a servi pour la vision. Le Seigneur a une vision. Et voilà, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Pourquoi 12? Et il y a quelque chose. Et elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. Pour qu'une femme soit dans les douleurs d'enfantement, et pour qu'elle soit en travail, il faut qu'elle ait été fécondée. Pour qu'elle soit fécondée, il faut qu'elle fasse un. Et cette femme couronnée de 12 étoiles que vous voyez a été fécondée. Elle fait un. Elle fait la vision des 12. Elle a la vision du Maître. Elle est connectée avec la vision de Jésus. Jésus, il a pris 12 disciples. Vous croyez que c'est juste comme ça? Tiens, je vais m'en prendre 12. Tu m'en mets 12. Non. Il y a une pensée divine dedans. C'est fondamental. Frères et sœurs, retournons au fondement de la parole. Oui, je suis un petit peu fondamentaliste. Mais rassurez-vous, s'il y a des gens de la police, tout ça, qui nous regardent, on ne fera pas péter des bombes. Les seules bombes qu'on fait péter, c'est des bombes d'amour. Et on délivre les gens des puissances de ténèbres.
Alléluia, merci Seigneur. En tout cas, cette femme est en train d'être engrossée. Elle a été engrossée, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et, où est passé mon passage? Eh bien, il a disparu. Incroyable. Alors, il est spécial ce truc-là. Very special. Alors, je vais aller le chercher. C'est pas grave parce que je dois vraiment vous donner encore quelques petits points très importants sur ce passage. Tac. 21. Non, pas 21. 12. Je vais à l'envers. Voilà. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Souvenez-vous du message des 7 esprits démoniaques qui sont vaincus par le sang de Jésus. Je vous conseille vraiment d'écouter ce message. Et on retrouve ces 7 têtes-là, ces 7 démons, ces 7 puissances qui attaquent les 7 esprits de l'Éternel. Les 10 cornes, c'est le chiffre 10, c'est l'autorité, donc c'est une autorité diabolique. Voilà, et ses 7 têtes ont 7 diadèmes, ok. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Frères et sœurs, il y a 12 étoiles qui couronnent cette femme qui fait un avec le soleil de justice, ok, et les autres étoiles qui se font embarquer par la queue du diable. Ouh, à la fin des temps, il y a une puissante séduction contre ceux qui ne font pas la vision, qui ne sont pas connectés avec la tête qui est couronnée, qui n'est pas connecté avec le Fils, tu sais, qui ne fait pas un, qui n'est pas l'épouse. Les chrétiens qui ne sont pas de l'épouse, ils sont en danger de se faire balayer par la queue de cet esprit de puissance de ténèbres qui lutte contre la vision, qui lutte contre l'épouse de Christ, qui fait la vision correctement. Ouh, c'est vraiment fort ce que je suis en train de vous dire. Et il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ce n'est pas Jésus et il ne s'agit pas de Marie. C'est simple. Sinon, ce fils, comment? Où est passée la croix dans cette affaire-là? Ça serait un faux évangile. Dans Galates, au premier chapitre, il dit que si un ange vous annonce un autre évangile que celui que nous, apôtres, on vous a annoncé, et on parle là de Paul, imagine les autres apôtres, qu'il soit anathème. Donc, il n'y a pas un autre évangile que celui qui a été annoncé. Et cet évangile, c'est que Jésus-Christ est venu, il est né d'une vierge, effectivement. C'est le symbole des apôtres récité religieusement dans beaucoup d'églises traditionnelles et de façon juste en réalité, parce que sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Et si vous ne prêchez pas la croix, vous avez un problème. Ce serait une sorte d'évangile à l'islam où Jésus n'aurait pas été crucifié, il aurait été enlevé tout de suite au ciel. C'est faux. Là, il y a une vision spirituelle dedans. Ce fils est un corps qui est en train de naître à cause de la vision, c'est-à-dire, en fait, c'est la moisson des âmes. Et ça, si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle création, vous êtes fils et filles de Dieu, et vous avez été assis dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, nous avons été ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est un accomplissement prophétique. C'est la naissance par la puissance de la vision de Jésus, c'est son évangile, c'est sa parole, c'est son esprit. Oh, mais c'est une réalité, c'est pas un truc coupé en petits morceaux et jeté en pâture dans le monde. Non, celui qui n'amasse pas avec moi, dit Jésus, disperse. Mais celui qui marche derrière lui aura la lumière de la vie. Ne dispersons pas, mais rassemblons, et non pas dans une unité qui se fait fi de la repentance et des choses les plus importantes concernant les Écritures comme étant eh bien, la vraie adoration au Seigneur. Un cœur pur, un cœur guéri fera que nous serons de plus en plus proches de la vision du Seigneur. Et la femme s'enfuit dans le désert, etc. Donc j'arrête sur ce point-là. Le combat spirituel est tellement fort qu'à un moment donné, il est dit que le diable va être jeté à terre, mais ceux que les disciples de Jésus, ceux qui font la vision, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous vous enseignons, et particulièrement les gens de la maison de prière pour toutes les nations, et tous ceux qui sont connectés sur la vision, on vous enseigne la puissance du sang de Jésus. Vous avez besoin d'une profonde révélation de la croix de Jésus et de la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Quand vous avez cette révélation, vous allez vaincre le diable. Votre témoignage va être fort. Le feu que vous sentez en moi, cette onction que vous ressentez dans vos maisons pendant que je suis en train de prêcher, c'est pas Rémi Bell. C'est l'esprit du Seigneur, c'est l'onction de la vision. C'est l'onction de sa parole. Je suis témoin de Jésus-Christ et nous l'avons vaincu, le diable, l'accusateur de nos frères, par le sang de Jésus et la parole de notre témoignage. Amen. Waouh, la vision du maître.
dans cette femme qui est engrossée et qui est dans les douleurs d'enfantement, et le dragon qui vient, et on peut sentir l'odeur fétide du diable dans cette génération. On sent l'odeur pourrie qui sort de la gueule de ce dragon, mais il est vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Regardez, je veux vraiment vous donner la vision de Jésus. Jésus a une vision pour son épouse. Jésus veut partager sa vision avec son épouse. Et on a un autre exemple d'un grand rêveur, d'un grand visionnaire, c'est Abraham. Abraham et Sarah, voici un autre couple qui avait besoin d'être béni dans la multiplication. Et puis Dieu lui donna un rêve à cet homme. Il lui a dit, quitte la maison de ton père. Allez, va, je vais te donner un héritage. Et puis il va lui parler, il va dire, tu vas avoir un fils. Et puis sa femme est devenue tellement vieille que c'était devenu impossible. Et la Bible dit qu'il est resté dans la foi. Ah, mais quand on analyse l'histoire d'Abraham, à un moment donné, il a piqué du nez, hein, il n'y croyait plus. Hein. D'ailleurs, il s'est arrangé avec Agar, tout ça, pour avoir un fils, pour Sarah et tout. Vous connaissez l'histoire un petit peu, naissance d'Ismaël, avec tout le rejet que ça a engendré, toutes les souffrances. Et, en tout cas, Sarah, à un moment donné, va vivre un miracle. Elle est dans sa tente et il y a trois anges qui visitent Abraham et qui le visitent. Il dit, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Et il y a Sarah qui entend cette parole, elle est dans sa tente et elle se met à rire. Et en fait, la parole de l'ange, qui était en fait la parole du Seigneur, qui était la parole de la vision de Jésus, parce qu'il lui avait dit à Abraham que tu auras des fils au nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel et de nombre de grains de sable qu'il y a sur terre. C'est comme ça que je vais te bénir au travers de ce fils que je vais te donner. Donc, il lui a dit, vas-y, compte-les, visualise-les, commence à visualiser. J'aimerais que tu commences à visualiser avec moi les disciples que Dieu va te donner et qui vont se multiplier. Parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Et la parole que je suis en train de te prêcher, c'est la parole qui a traversé la tente de Sarah. Et puis, la parole est entrée dans sa tente de tissu et après, elle est rentrée dans sa tente physique. Elle est allée dans ses entrailles et a guérit son utérus et l'utérus a été régénéré et c'est par miracle, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que c'est la grâce, c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde du Seigneur qui va faire que tu feras des disciples et que tu vas te multiplier et ne dis pas que tu es « Oh, je suis une pauvre petite personne » ou « Je ne suis pas libre » ou « Je ne suis pas… » Arrête avec des pensées comme ça. Mais Sarah ne pouvait pas même avoir un bébé. Elle était stérile. Et en plus de ça, elle était arrivée à 90 ans, je crois, d'une affaire comme ça. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune allure de penser que cette femme puisse faire un bébé. Et pourtant, la puissance de Dieu a régénéré, lui a renouvelé sa jeunesse. Et puis comme un aigle en son envol, ils se sont envoyés en l'air. Alléluia! Et ils ont eu un magnifique petit bébé qui s'appelait Isaac. Gloire à Dieu! Et on voit que la puissance de la parole est une puissance de multiplication. Une seule petite graine de foi peut déraciner des montagnes et les jeter dans la mer. Or, si tu crois avec moi ce soir, tu vas vraiment être une personne absolument bénie, 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 bénie. Je veux te dire encore, et je finis avec ça, pas tout à fait, encore un point après. Quand Jésus était allé voir cette femme samaritaine, il s'est assis sur le bord du puits. Cette femme est venue, elle fuyait les gens, elle arrive à une heure où il fait très chaud, et Jésus va lui dire « Donne-moi à boire ». Cette femme lui dit « Mais comment toi, tu es un juif, en plus apparemment on te touche de rabbin, comment tu parles à une femme là, en plus une samaritaine ?» Le soleil a vraiment tapé très fort, certainement. Et Jésus lui dit « Non mais si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui donnerais à boire. » Et il commence à rentrer dans sa vie. Et il commence à vouloir changer sa vision des choses, en fait. Il veut changer sa vision, en fait. Puis les apôtres, ils sont partis en chantant parce qu'ils allaient enfin pouvoir s'acheter des sandwichs avec des falafels et tout ça, etc. Ils étaient très, très contents et ils sont remontés. Ils avaient bien repu, bien tendu, ils sont remontés avec des sandwichs. Et puis Jésus est en train de parler avec cette femme. Et donc la femme voit ces gars qui arrivent, elle s'en va et elle descend au village pour aller chercher les gens parce que Jésus, il y a tellement, parlé en vérité sur son existence, sur ses vraies souffrances, sa vraie soif d'amour, tout ça. Elle a été vraiment touchée par la parole de Jésus. C'était un one-to-one d'évangélisation. Et les disciples arrivent avec les sandwichs. « Ah, vas-y, mange Jésus et tout. Oh, » Il a encore un bout de salade qui pend entre les dents. Et Jésus va leur répondre une parole puissante. Il a dit, j'ai autre chose, j'ai une autre nourriture, les gars. J'ai un autre truc, là. Moi, je me nourris d'autre chose. Et on va le lire. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !»
Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et c'est ça le problème des chrétiens, c'est que cette nourriture-là, ils ne la connaissent pas. Ils connaissent de la religion, des versets bibliques, ils connaissent l'adresse de leur église. C'est bien d'avoir une église, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église. Non, non, c'est mieux d'être l'église en fait. Ça, je pense que c'est vraiment ça. Puis on ne bâtit pas des églises. Jésus bâtit son église, puis les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Mais si on est trop à penser qu'on est en train de bâtir l'église, on risque peut-être de mettre des bâtons dans les roues au Saint-Esprit. Ça, c'est un avis qui m'est personnel. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, ma nourriture est de faire sa vision. Je fais la vision du maître. C'est une nourriture, c'est une dimension puissante qui vient te prendre et qui va te nourrir. Est-ce que tu peux comprendre ça? Cherche premièrement la vision, commence à faire la vision du maître, et tu verras que, waouh, tu vas être nourri, tu vas être pris, on va prendre soin de toi, Dieu, d'en haut des cieux, je t'assure, c'est réel. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Quelle est l'œuvre du Père? Quelle est son œuvre? C'est qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et ma vie passionnée est de gagner des âmes, de les consolider, de pouvoir en faire des disciples, tu vois, avec un cœur guéri, qui sont pleins d'honneur, qui ne cherchent pas de la gloire, qui ne cherchent pas un ministère ou des dons, mais qui cherchent à aimer d'autres personnes, à les servir, à leur faire du bien, à être comme Jésus, des serviteurs, avec un cœur humble et avec la vision du Père, dans l'amour de Jésus, la grâce du Seigneur Jésus, voilà, et pouvoir les envoyer et se multiplier et faire à leur tour des disciples. Voici, je vous dis, levez les yeux. C'est-à-dire, tes yeux sont là, mais je te demande de changer de fréquence. Et regarde, regarde maintenant, ne mens pas avec tes yeux charnels ou religieux, là. Arrête avec ça. Vois la vision, commence à voir maintenant. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Visualise la moisson. Moi, je visualise un million de maisons de prière pour toutes les nations en France. Je sais que ça peut foutre la trouille, mais je crois que vraiment les Français aiment Jésus. C'est la religion qu'ils n'aiment pas. Moi, si on me présentait un Jésus comme on me l'a présenté pendant des années, je pense qu'effectivement, je ne suis pas certain que je serais resté chrétien, honnêtement. Heureusement que j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Heureusement que j'ai goûté à sa bonté réellement. Heureusement que j'ai vu des miracles, des aveugleries, des sourds guéris. Je crois que j'aurais abandonné la course aussi, comme beaucoup d'entre vous, peut-être ce soir, qui m'écoutaient. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Et les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Et tu vas réussir, parce que c'est lui qui réussit au travers de toi. C'est son succès. Tu as pensé que tu allais le faire à sa place. Tu pensais que Dieu était en train de t'utiliser, mais tu étais en train d'essayer d'utiliser Dieu. Et il t'a laissé faire jusqu'à ce que tu meures à toi-même. Et quand tu meurs à toi-même, c'est là que la vie de l'Esprit peut grandir en toi et se manifester. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Fais la vision, mon frère, tu vas recevoir un salaire, tu vas être béni. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Fais la vision, vas-y, travaille à la moisson et amasse des fruits pour la vie éternelle. Les gens sont là en train de s'accaparer pour les choses terrestres. Ah, ma boîte de haricots, ah, ma voiture, mon ceci, mon cela, moi, mon maman. Et ils sont sous la coupe de maman. Mais quand tu fais la vision du maître, tu t'amasses des fruits pour la vie éternelle. Et c'est pourquoi je dis dans pas mal de prédications, quand je vais comparaître devant le Seigneur, je ne vais pas arriver dans mes mains avec des vidéos complotistes. Regarde Jésus, j'ai fait une enquête, j'avais raison. Hein. C'est pas ça que je veux présenter au Seigneur. Je veux arriver avec des âmes, avec des familles qui ont été arrachées du feu de l'enfer. Des fils, des filles, des enfants, des gens qui ont pu avoir leur rencontre avec Jésus. Juste parce que j'ai eu tout paix d'y croire à sa vision et de prêcher sa parole. Et je vais te dire un truc, je suis au même niveau que toi. Je suis taillé de la même chair, des mêmes problèmes, les mêmes défauts. On est tous assis au même endroit. Et l'onction du Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais on a besoin de la vision. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Travaillons ensemble. Il y en a qui sèment, il y en a d'autres qui moissonnent. Et soyons ensemble, travaillons ensemble. D'autres ont semé avant nous. Ils sont auprès du Seigneur déjà depuis longtemps.
D'autres ont semé, ils sont encore sur terre en train de travailler, ils ont libéré la vision, ils ont épuré l'Église des choses religieuses qu'on avait héritées au travers des siècles pour revenir à l'original. Revenons à l'original, revenons au pied du Maître, laissons le sang qui a coulé des pieds de Jésus laver enfin notre marche en lui. Ce n'est pas seulement d'un torchon dont on a besoin pour qu'on nous lave les pieds aujourd'hui, mais c'est du sang du Maître qui a été versé par les pieds de Jésus à la croix. Est-ce que vous entendez ce message? Car en ceci, ce que l'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Et je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Vous voyez, il y a une continuité dans le discipulat. Et vous allez entrer dans mon travail. Je suis en train de semer. Et plusieurs d'entre vous, vous allez vous convertir. Vous allez vous convertir à nouveau. Vous savez, on est de nouveau une fois pour l'éternité. Mais la conversion, on a beaucoup. Mais regardez, le peuple d'Israël s'est converti plusieurs fois. Il a fallu qu'ils reviennent à l'Éternel. Et même leur vie est faite de monter à Jérusalem 3 fois par an au travers de la Torah. Et toutes ces choses sont là pour nous enseigner à nous, les born again, le peuple de Dieu, l'épouse de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de l'Esprit parler ce soir? Si vous entendez la voix du Seigneur, alors n'endurcissez pas vos cœurs et commencez à bien réfléchir au rêve de Jésus. Parce que j'aime bien ton rêve, je l'aime ton rêve, mais je veux te dire une chose. Est-ce que tu ne veux pas le mettre sur l'autel? Est-ce que tu ne veux pas mourir à ton rêve? Je vais vous dire une chose qui m'a fait le plus grandir. J'ai fini ma prédication. Ce qui m'a fait grandir en 35 ans de christianisme, c'est toutes les fois où je suis mort à ma vision, mort à mes rêves. À chaque fois qu'on m'a mis à mort, ouais, j'ai vraiment braillé, comme on dit au Canada. Ça m'a fait mal, j'ai souffert. Ah, ça fait vraiment mal. T'as pas envie de ça, tu sais. Mais quand la croix fait cette œuvre de mise à mort en toi, tu meurs à toi-même, que ce soit dans ta relation dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes disciples, ta relation avec tes autorités. Tout d'un coup, tu commences à vivre vraiment. Il y a des gens, ils ont envie de se suicider parce qu'ils sont en manque de l'œuvre de la croix dans leur vie. Ils ont une carence de mourir à soi-même. Alors, c'est comme quelqu'un qui a mangé de la graisse, et puis à la fin, ton corps, il meurt, j'en peux plus, arrête, fais-moi un jeûne, je t'en peux plus. Tu vois, on est fait pour jeûner, on n'est pas fait pour bouffer. Hein. Il faut le savoir, ça. Truc à l'envers. Matthieu, chapitre 28, c'est extraordinaire, et on ne va pas le lire parce que je vais vous le laisser, mais Jésus est avec ses 11, il sait qu'il y en a un qui va le remplacer. D'ailleurs, Pierre va se lever à un moment donné, après l'enlèvement de Jésus, il faut qu'on soit 12, ils ont choisi un pour être 12. Après, il y a eu la Pentecôte, 120, 12 devant, 108, multiplication, la vision. Et Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Hé les mecs, comment, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok, on fait la vision ensemble. Oui Seigneur, on fait la vision ensemble. Dirige-nous, Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, tu es le pasteur de l'Église. Et on veut faire ta vision, on veut te suivre Jésus. Amen et Amen. Je vous le dis, si vos 12, si vous avez 12 disciples et que vos 12 font 12 disciples, vous avez 144 disciples. Pas des petits coqs, des gens orgueilleux, indépendants, sexe. Non, je ne vous parle pas de ce genre de personnes. Non, je vous parle de gens humbles, qui ont un cœur bon, qui veulent avancer avec amour, qui veulent vraiment faire des disciples pour aider des gens, pour les amener à la stature parfaite du Christ. Donc, qui eux-mêmes sont des disciples. Regardez, Jésus a commencé comme un disciple. Il était disciple de Jean. Il s'est fait baptiser par Jean. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, eh bien, il est devenu disciple de Jean. Et là, eh bien, si vos 12 font 12, ça fera 144 disciples. Et si vos 144 disciples, produisent, eh bien, chacun 12, vous allez vous retrouver avec 1728 disciples. Vous commencez déjà à avoir une méga church. Si vous faites ça sur 7 générations, si vous calculez, vous aurez touché plus de 40 millions de personnes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la vision du Maître? Est-ce qu'il n'y a pas une onction dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité dedans? Alors j'aimerais maintenant te bénir dans ta capacité du rêve, parce que tu as besoin de rêver avec le Seigneur. Tu as besoin d'être une personne qui va,
qui va vraiment, en fin de compte, être... comment te dire ça? Tu as besoin... Attends, je me mets un petit peu de musique. Voilà, merci Seigneur. Je vais continuer à prier pour vous. Soyez bénis et bravo d'être resté jusqu'à la fin de cet enseignement. Et j'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur et j'aimerais t'entraîner vraiment à rêver. À l'époque, la première année que je suis arrivé à la convention à Bogota, une des premières choses que Dieu a guéri en moi, c'est le rêve. Quand j'étais petit, ça m'a traîné pendant pas mal d'années à l'école. Sur mon carnet, une note, c'était « Rémi rêve en classe, il faut qu'il se réveille. Rémi rêve en classe. » Et j'ai compris que rêver, c'était pas bien. T'as pas des bonnes notes quand tu rêves, tu vois. Faut pas rêver. D'ailleurs, on te dit, faut pas rêver hein, dans la vie. Hein. Faut pas rêver. Faut pas rêver dans la vie. Non. Guy de Graine, c'est pas comme ça que vous allez réussir dans la vie. Tu vois, toutes ces paroles négatives, là. J'aimerais que tu puisses poser ta main sur ton cœur. Et puis, laissez Dieu enlever cette épine. Parce que je vais te dire une chose. Le rêve, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Et on t'a condamné de rêver, alors qu'en réalité, le rêve, c'est ce qui va produire en toi la vie, en fait. Quelqu'un qui a cessé de rêver, qui ne croit plus en ses rêves, est une personne vraiment malheureuse, en réalité. Souvent, dans la relation d'aide, on dit, mais c'est quoi ton rêve? Et je vois des larmes qui apparaissent dans les yeux. Wow, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avais un rêve, mais non, c'est n'importe quoi. C'est fou. Mais les rêves que Dieu a mis dans nos cœurs, il veut les réaliser. Moi, j'avais un rêve, quand j'étais gamin, je voulais un cheval blanc et qu'il avait un pouvoir surnaturel de passer, d'aller dans tous les pays, de passer les frontières. Parce que je vais vous dire, ce cheval blanc, il s'appelle l'Évangile. Et il s'est réalisé dans ma vie. Et j'aimerais te dire qu'il y avait un rêve que j'avais dans mon cœur, mais je me l'interdisais parce que des hommes m'avait enseigné comme ça et j'étais dans un carcan ça pendant depuis ma nouvelle naissance en fait je suis tombé dedans quand j'étais petit tu vois j'ai cru vraiment que mon christianisme était limité il fallait me limiter à certaines autorisations religieuses mais le Seigneur a fait exploser ça avec sa vision et il a commencé à me dire mais rêve parce que tu vas gagner le monde en fait. Tu vas faire des disciples, ils vont faire des disciples. Puis quand tu seras plus de ce monde, ces disciples vont continuer à se multiplier. Et la gloire de Dieu va se répandre au travers d'eux. Parce que moi, je bâtis mon église au travers d'eux. Et je fais de toi un disciple qui fait des disciples. Je voudrais que tu rêves avec moi. Je voudrais lever une armée de disciples qui vont rêver. Et mets ta main sur ton cœur. Prie avec moi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir... mis de côté ma capacité de rêver. J'ai oublié de rêver, Seigneur. Guéris mon cœur, guéris, restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon être intérieur. Et je veux rêver, Seigneur. Je veux être capable de visualiser toute cette grâce, toute cette bénédiction, toute cette onction. Je veux la voir, cette mission. Je lève mes yeux aujourd'hui. Je lève mes yeux. Je change de fréquence. J'entre par la foi dans la vision du Maître. Au nom de Jésus, je sais que c'est miraculeux. Je sais que c'est miraculeux. C'est par la grâce. Tout est grâce. Tu m'as fait grâce, Seigneur. J'ai plus de lutte. Je renonce à ces luttes. Enlève les luttes. Enlève la douleur de mon cœur, Seigneur. Donne-moi un cœur guéri, un cœur humble, un cœur qui se laisse littéralement envahir par ta semence, par cette semence de vie, cette bénédiction, cette grâce de la multiplication, car c'est un miracle, une conversion, c'est un miracle. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les gens viennent à toi, ils ne viennent pas à une religion, ils ne viennent pas à un mouvement, ils viennent à Jésus. Notre ministère, Seigneur, dis-lui notre ministère, Seigneur, c'est de qu'il te rencontre. Comme je t'ai rencontré. Seigneur, je t'aime et je veux faire ta volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta vision, Seigneur. Oh, que je sois de cette épouse qui souffre les douleurs de l'enfantement, Seigneur. Que je sois couronné des 12 étoiles. 12 étoiles. Seigneur,
Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Fais de moi un disciple qui fait ta vision. Au nom de Jésus. Amen, amen. Si vous faites cette prière, c'est merveilleux. Vous êtes en train de changer de fréquence. Vous êtes en train de passer un Jourdain, en fait. Amen. Et cette femme couronnée de 12 étoiles, on la retrouve dans Apocalypse, au chapitre 21, à partir du verset 9, où l'ange dit à Jean, « Viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. » Et puis, il va voir une ville. Et c'est la Jérusalem céleste. Et elle est fondée sur 12 fondements, les 12 apôtres. Les portes portent les noms des 12 apôtres. C'est une ville étincelante, faite de toutes sortes de pierres précieuses, de gloire. C'est la gloire qui se manifeste. Approche-toi de lui. Il s'approche de toi aujourd'hui. Et je voudrais parler particulièrement aux disciples de la maison de prière pour toutes les nations. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Vous allez prospérer. Vous allez faire des disciples, Même si tu as eu l'impression de piétiner, de tourner en rond. Non, je te dis, le Seigneur est fidèle. Et tu sèmes aussi. Il faut semer. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Il faut semer. Il faut faire de la semence abondante. Si tu sèmes abondamment, tu vas moissonner abondamment. Comment on moissonne? Comment on sème? Eh bien, celui qui sème, sème. Qu'est-ce que ça veut dire? Croyez que je vais faire une offrande. Hein. Je ne vais pas lever une offrande. Je vais te dire ce que tu dois semer. Tu dois semer l'évangile. Tu dois semer de l'amour dans les gens. Sème la parole de Dieu. Sois une lumière. Témoigne de Jésus. Pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu ne cherches pas à gagner des gens? Puis quand tu gagnes une âme, pourquoi tu n'as pas son téléphone, son adresse? Pour prendre soin de cette personne. Parce que si elle a commencé à donner son cœur au Seigneur, c'est qu'elle cherche Dieu et qu'elle a besoin d'aide. Faire la vision de Jésus, c'est aimer les gens. C'est les aimer. Par tous les moyens, par tous les trous que tu trouves, il faut aimer les gens. Et les amener à Christ. Et leur donner l'opportunité de vivre une rencontre. J'espère que ce message t'a vraiment béni, encouragé. Surtout, aucune culpabilité. Recevez la grâce de Dieu, je prie pour vous. Et pour toutes les personnes qui peut-être ont besoin d'un miracle, d'une guérison, je finis simplement. Au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, Seigneur, vraiment, touche mes amis, bénis-les, guéris-les, restaure-les maintenant, visite-les, et que toute maladie les quitte maintenant, libère-les, enlève le rejet, et visite-les, Seigneur, dans les profondeurs de leur âme. Donne-leur une rencontre avec toi, Seigneur. Tu fais toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus, amen et amen. Allez, à demain. Pour un autre message, alors là j'ai un truc demain, oh pétard.